We start our season with a program jam-packed with romantic masterpieces. We start out with the glowing and beautiful prelude to Act One of Wagner's Lohengrin. We are having a wonderful collaboration with my dear friend István Várdai, who also happens to play probably the most famous cello in the entire world, the famous Stradivarius Jackie Dupré cello. And on the second half of the program, we feature one of the great tour de forces for symphony orchestra with over 100 musicians on stage, Richard Strauss's Also sprach Zarathustra, which you probably know from 2001, A Space Odyssey. This is based, believe it or not, on Richard Strauss's pretty poor understanding of Friedrich Nietzsche's philosophy, but nonetheless, it makes one of the greatest masterpieces ever written in romantic repertoire. Le troisième concerto de Prokofiev, c'est vraiment une œuvre géniale. Moi, je me souviens, le moment où je l'ai découverte, ça m'a donné un coup de boost énorme. Le tout début, ça s'ouvre sur une phrase un peu féerique à l'orchestre. Et puis là-dessus, démarre le premier mouvement qui est plein d'entrain, qui trépigne un peu d'impatience et d'énergie. C'est une œuvre qui a un peps incroyable. Et puis qui montre un peu Prokofiev sous toutes ses facettes. Il y a le côté lyrique, il y a des thèmes incroyables. Il y a évidemment la virtuosité, le côté percussif, un peu iconoclaste, au piano. Il y a aussi un côté un peu archaïque qu'on retrouve notamment dans le deuxième mouvement qui commence comme un air un peu à l'ancienne, une sorte de ballet un peu imaginaire. C'est vraiment une œuvre qui représente bien le compositeur sous toutes ses facettes et voilà, que j'ai vraiment très hâte de jouer et que je vous invite à découvrir. Bonjour, je m'appelle Anna Mielcea. Bonjour, je m'appelle Julien Cotreau. Bonjour, je m'appelle Serge Nicolaï. Nous avons rendez-vous avec l'Orchestre National d'Île-de-France et Fellini et Nino Rota. Hi everyone, this is Ryan McAdams, and I'm here to invite you to our performances at the Philharmonie on the 30th of November. The orchestra and I have put together what I think is an exceptional program of powerful and opulent music by Franz Schrecker, Bryce Dessner, and Beethoven. I'm particularly proud to be bringing Franz Schrecker's Chamber Symphony to Paris. This 25-minute work, which unfolds in one rich, decadent movement, is one of those musical jewels that I've dreamed about programming for years. I heard it first as a student, and I could not believe that music of such glittering beauty was unknown to me. Franz Schrecker was an Austrian composer in the early 20th century, but his music was lost to us because the rise of anti-Semitism cost him, as a Jewish composer, his professional position, and his music was later banned by the Nazis. And now we have the great honor of rediscovering and performing this lost and mesmerizing music, music which audiences around the world are falling in love with at first listen. Bryce Dessner is a remarkable composer. He's part of a new generation of composers who have their feet in both the popular and art music world. His trombone concerto allows the instrument to tell the full story of itself, both its power and clarity, but also its capacity for soulful and melodic artistry. We end our concert with the Fifth Symphony of Beethoven, a work that, at the time, was probably the loudest music that audiences had ever heard indoors. And somehow, after 200 years, it has lost none of its power to provoke and inspire. This is a work about perpetual transformation, of inevitability, about taking the small fragments of our lives and using them to build a whole and optimistic future. I am so looking forward to joining the magnificent Orchestre National Île-de-France to share this program with you. See you all in November. Hello, everybody. My name is Jürgen van Rijen, and here is something very exciting. It's the new trombone concerto by Bryce Dessner. Bryce Dessner is a wonderful composer. You might know him through his classical pieces. He also wrote film scores, very famous movies like The Two Popes or The Revenant, Grammy Award winning.
But you might also know him because he's the guitarist of the rock band The National. I think it's really a great contribution to the trombone repertoire. It has three movements. The first movement is very groovy. It starts with a rhythmical pattern on one note, which sort of comes into a dancey theme. Then comes to the second movement, which is very relaxed. It's a beautiful melody and very warm, almost dreamy music. And then the third movement, it starts with a little cadenza, and then the rhythm comes back, but in a very different way. It's almost like a repetitive Morse code that slowly evolves into a big, almost ecstatic tutti orchestral finale. Hi everyone. In December, I'm coming to Paris to play with the Orchestre National d'Île-de-France Concert de Noël at the Philharmonie, and we play the Vivaldi Seasons that we all know very well, but we also combine it with Piazzolla Seasons. So those are the seasons from Buenos Aires, where the temperature is a little higher in general. I really hope to see you there in December in the Philharmonie. Very much looking forward. And we're very happy to present the young English pianist Mischa Rushdie-Momen for our next project, which features all of the music of Hungarian composer Béla Bartók. Without a doubt, one of the most unique voices in the entire classical music repertoire. It's nice to be able to focus on just his music. We start with the three popular Romanian dances, which Mischa will play for us. Je suis Mischa Rushdie-Momen et je vous salue depuis ma maison ici à Londres, où je suis restée pendant presque toute l'année dernière. Je suis si heureuse de venir jouer pour vous tous l'année prochaine et j'ai vraiment hâte d'explorer cette œuvre remarquable avec l'Orchestre National d'Île-de-France et Kay Scaglione. Le troisième concerto de Bartók est son Chant du Cygne. Il l'a écrit aux États-Unis pour sa femme Dita durant les derniers mois de sa vie en 1945. La guerre n'était toujours pas terminée et Bartók était en très mauvaise santé. Il ne fut pas capable d'achever l'œuvre. Et c'est une pièce très différente des deux autres concertos. Elle n'est pas aussi moderne que le premier. Elle n'est pas une œuvre néoclassique comme le second. Mais je la trouve la plus personnelle, la plus touchante des trois pièces en regardant simultanément en arrière et vers le futur. Aussi, je vois l'influence de Bach tout au long de ce concerto, dans le contrepoint du premier mouvement et de manière plus poignante dans le choral du second mouvement, qui est marqué avec l'indication très inhabituelle « adagio religioso ». Mais ce n'est pas simplement un hommage. Bartók prend les 7 lignes de Bach et il les réimagine dans sa propre voix. En même façon qu'il a fait avec des chansons folkloriques. Le troisième concerto de Bartók est une des pièces les plus proches de mon cœur et ce sera une telle joie de le partager avec vous en janvier prochain et j'attends avec impatience de vous voir à ce moment-là. Merci. And on the second half of the program, we play the piece that lives up to its name, his Concerto for Orchestra, one of the last works that he completed. At one point or another, and throughout the entire piece, each instrument or group of instruments is featured and really shows the maximum capability of what an orchestra can do throughout the entire piece. Quelques grands chefs-d'œuvre portent un mystère, et notamment quelques œuvres qui nous semblent très connues. Environ un demi-siècle avant la naissance de Sigmund Freud, un jeune génie musical viennois, Franz Peter Schubert, ouvre
éducateur de jeunes enfants, écrit une musique qui vient directement de la source la plus profonde de son âme. Il écrit une symphonie mystérieuse, pleine des plus beaux mélodies qui étaient jamais écrites. Mais est-ce qu'il s'agit que de la beauté, ou est-ce qu'il y était une urgence, une nécessité psychologique ou spirituelle pour Franz Schubert quand il a créé cette symphonie? À la même temps, quand son esprit forme ses notes, ses motifs et phrases, il écrit un texte métaphore et plein de symboles, où il analyse avec une clarté extrêmement profonde et surprenante sa situation familiale, sa relation avec son père qui lui interdit d'être compositeur et sa relation avec sa mère qui dans ce moment est déjà décédée. Et quand maintenant, aujourd'hui, on compare les mots, les phrases de ce texte avec les mots, les gestes musicaux et harmoniques dans cette symphonie, vous trouverez une synchronicité étonnante. L'un achevé, pas un achevé. Recherchez avec nous dans ce concert le mystère de ce chef-d'œuvre singulier. De toute façon, Émile, je ne vois même pas pourquoi je discute. On n'aura pas de chauve-souris, point à la ligne. Personne n'a de chauve-souris dans sa maison. Il n'y a aucun enfant au monde qui a une chauve-souris dans sa chambre. Et si tu n'es pas content, c'est la même chose. Émile fronce les sourcils une dernière fois et croise les bras. Il boude. Il souffle. Ok, c'est bon, ça va, il a compris, pas de chauve-souris, ok. De toute façon, c'est pas grave. Il a une meilleure idée. Une bien meilleure idée. And back by popular demand after being canceled three times, Nuit Américaine, where I'm very happy to be able to collaborate with our very own principal timpanist, Florian Coquille, on the brand new piece, A Different Drummer, by the wonderful composer Stephen Mackey, in a co-commission between the Dallas Symphony Orchestra and the Orchestre National d'Île-de-France. Je suis très heureuse de retrouver l'Orchestre National d'Île-de-France dans le cadre du programme Nuit Américaine en mars 2022 et de rejoindre ces musiciens pour le concerto pour piano en fa de George Gershwin. Aujourd'hui, presque 100 ans nous séparent de la création de ce concerto au Carnegie Hall de New York lors de cette célèbre soirée du 2 décembre 1925 où Gershwin lui-même au piano a été accueilli triomphalement par une salle comble de public et a été salué très chaleureusement par la critique ainsi que par les différentes personnalités musicales qui étaient présentes donc à cette première. Depuis, l'œuvre s'est intégrée et s'est forgée une belle place au sein du répertoire, notamment par la brillante originalité de la fusion qu'elle propose entre l'univers de la musique classique et le monde du jazz. Qui est réalisé avec brio et inspiration, et qui n'a toujours pas connu au fond d'équivalent. Stravinsky, Schoenberg, Toscanini ont fortement apprécié ce concerto, de même que Maurice Ravel, qui a gardé la partition auprès de lui plus tard pendant l'écriture de ses propres concertos. En effet, le concerto de Gershwin met à l'honneur une nouvelle forme de cohérence entre les éléments appartenant au jazz, les rythmes, les inflexions mélodiques, les couleurs orchestrales caractéristiques
Il nous emmène à travers une forme souple et narrative, à travers des thèmes au rythme de Charleston, des formules directement issues du blues, des mélodies larges, romantiques, jusqu'à des épisodes autant plus intimes d'une ballade, autant plus rêveurs d'un nocturne, des passages virtuoses et emportés à l'image d'une toccata fougueuse et rythmique. Le tout en s'appuyant justement sur certains des principes formels les plus sophistiqués de la tradition classique européenne, par exemple la forme cyclique qui fait apparaître un thème caractéristique au fil des différents mouvements en lui faisant revêtir des caractères, des personnalités différentes, la variation thématique qui modifie le caractère expressif et influe l'évolution des thèmes, l'usage d'intervalles unificateurs qui imposent leur marque et leur couleur d'une certaine façon aux matériaux mélodiques. C'est donc entre autres dans un esprit novateur que le concerto se veut le reflet du rêve américain de ces temps, et c'est dans un vent d'espoir, un vent d'optimisme qu'il traduit en musique l'esprit enthousiaste, le sentiment presque juvénile de la vie américaine de cette époque. Et dans le sillage de la Rhapsody in Blue, ce concerto qui initialement était prévu d'être nommé d'ailleurs The New York Concerto représente une sorte de hymne à l'Amérique de ces temps où les arts, les artistes se côtoyaient, se confondaient et échangeaient pour créer une Amérique qui se voulait ouverte à tous les espoirs possibles. One of the great discoveries in this season is Emmanuel Chekhnevorian, and I'm very proud to be able to give him his Parisian debut. We met each other in Germany about a year ago, and I've been rushing to get him to our dear Ondif as soon as possible, and I'm very happy that he will be playing Mozart's fifth violin concerto for us. And on the second half of the program, we finally get to start our journey down the path of playing the Mahler symphonies with Mahler's wonderful, if a little bit more classical than the other ones, Fourth Symphony. Bonjour, je m'appelle Cameron Crossman et je suis violoncelliste canadien. Lointain d'Henri Dutilleux, c'est vraiment l'un des grands chefs-d'œuvre pour violoncelle du XXe siècle. C'est une œuvre d'ailleurs très poétique. Le titre de la pièce et puis des différentes parties de la pièce sont pris de poèmes du recueil Les fleurs du mal de Baudelaire. Pour moi, c'est une pièce très spéciale parce que je l'ai jouée pour mon prix de violoncelle au Conservatoire de Paris. Malheureusement, je n'ai jamais pu rencontrer Dutilleux en personne, mais j'ai quand même eu la chance de pouvoir travailler avec des violoncellistes qui l'ont connu et qui m'ont donc partagé leurs histoires avec ce grand compositeur français. J'ai vraiment hâte de retrouver le public de Paris et de la région parisienne pour jouer cette pièce avec l'Orchestre National de l'Île-de-France la saison prochaine. À bientôt! Greetings, Paris. I'm Ilyich Rivas, and I want to invite you to a fascinating program we have in store for you next May, opening with a set of études tableaux that Rachmaninoff wrote originally for piano, but which Ottorino Respighi would transcribe for orchestra with Rachmaninoff's permission. In fact, Rachmaninoff revealed to Respighi a set of evocative titles for these étude tableaux that don't exist in the original piano version, and that transform the purely musical poetry of these originals into the visual poetry of this fantastic piece for orchestra, in which you may notice seagulls gliding above the sea, a country fair here and there, a funeral march.
Little Red Riding Hood and the Wolf, and grand monarchic festivities celebrating a dying empire that Rachmaninoff himself would say goodbye to forever. These are, in fact, some of the final pieces Rachmaninoff wrote on Russian soil, that Russia of Chekhov, in which its aristocracy, of which Rachmaninoff was a part, knew nothing but nostalgia. That Russia so radically different from the Leningrad of the 1920s, in which our symphony for the evening, Shostakovich's first, was written at the age of 19. That Leningrad of electric lights and trams and atheists and emerging cinema, for which Shostakovich often had to improvise musical accompaniments to earn a bit of extra bread for a hungry family after the tragic early loss of his father, a loss which is sublimated into the somber third movement of the symphony. And that feeling we get when watching certain silent films of Chaplin and others, in which scenes appear to go by at a faster speed than real life, is also transformed into music, into the agitated passages of the orchestra, as if the mechanisms of 1920s cameras became music. This fantastic symphony would make Shostakovich famous overnight, as great Western conductors like Leopold Sokovsky and Bruno Walter offered it on their programs. Our concerto for the evening was also conceived by a 19-year-old Franz Liszt, only he would hide it from the world for 20 years as he perfected it. And finally, Hector Berlioz would conduct the premiere with Liszt at the piano. Well, this time we have the fantastic Jean-Paul Gasparian at the piano, and we very much hope to see you there. Bonjour, je m'appelle Jean-Paul Gasparian, je suis pianiste et je vais avoir le plaisir de faire une tournée avec l'Orchestre National d'Île-de-France la saison prochaine. C'est un orchestre avec qui j'avais déjà eu l'occasion de jouer il y a quelques années au Festival de Taverny, avec le deuxième concerto de Rachmaninoff. Cette fois-ci, ce sera le premier de liste au programme pour une tournée de plusieurs concerts à Paris, en région parisienne, avec notamment un concert à la Philharmonie de Paris. Voilà, il se trouve que le premier concerto de liste est aussi le tout premier concerto que j'ai eu l'occasion de jouer et d'apprendre quand j'étais plus jeune. C'était juste avant d'entrer au Conservatoire de Paris, quand j'avais 12-13 ans. À l'époque, j'étais un grand fan du pianiste Georges Tsifra, je suis toujours d'ailleurs, et donc je m'étais mis en tête d'apprendre le répertoire, notamment listien, que je le voyais jouer en vidéo et au disque. Et donc je suis très heureux de rejouer la saison prochaine ce concerto pour mon premier concert à la Philharmonie de Paris, et j'espère vous y revoir.